te, io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far rotolare, sì, sì, perché la bellezza dei vent'anni è poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi il lavoro e poi l'amore. La Culonne, c'est un projet qui vient de loin. C'est un voyage. C'est l'envol, en effet, d'un, peut-être d'un rêve. Ou la déception d'avoir vécu dans une terre très rude, très complexe. Et donc c'est un voyage à la recherche d'une liberté et une recherche de vie, en effet. Donc c'est un voyage d'immigré parce que j'ai dû quitter ma terre pour plusieurs raisons. Et ce projet est né avec le désir et l'espoir, en effet, de pouvoir réaliser certaines choses dont j'ai pas été, dont on m'a pas donné la possibilité de réaliser en Sicile, en Italie. Donc voilà, c'est surtout la recherche d'un échange avec les autres, de construire en effet une société plus juste où chacun pourrait avoir une place décente. Et donc ce projet qui est né en 1985 et qui avait au départ, disons, l'objectif d'exprimer une culture italienne qui était même compliquée, difficile à exprimer en Sicile, en Italie même, vu ces années-là très dures, avec une présence assez puissante de la mafia et un régime démocrate chrétien assez répressif. Et donc j'ai voulu mettre sur pied un projet ici avec la communauté italienne en partie qui est assez nombreuse, assez riche par ses origines, parce qu'il y a des gens qui viennent de toute région d'Italie, d'expression sociale, culturelle, politique différente. Donc ce projet qu'on a mis sur pied avec sans moyens, sans soutien, donc au départ est né autour de la table, autour d'une ambiance qu'on a voulu construire très conviviale pour que les gens puissent avoir la possibilité de s'exprimer, d'y participer, et on a, à travers, disons, les différentes activités artistiques et culturelles, mis en avant, en fait, tout cet aspect, toute cette culture, en fait, minoritaire en même temps, qui ne trouvait pas un moyen de s'exprimer. Mais au départ, donc, c'était plutôt italien, mais c'est vite devenu le repère des autres communautés, parce qu'en effet, à l'époque, il y avait vraiment un manque d'endroits, d'espaces où les différentes cultures pouvaient se croiser, se rencontrer, à part les cafés. Donc on a créé un espèce de café, mais culturel, si on peut dire ça, où les gens pouvaient effectivement venir se retrouver, venir se réunir. Et à partir de là, donc, on a lancé toute une série d'activités, comme des activités littéraires, des activités d'expression d'art plastique, donc des expos,
des projets un peu plus poussés sur les différentes cultures présentes dans la région et aussi l'organisation des spectacles. Je rappelle, en 1987, ça a été un peu le grand succès. On a eu la chance et la possibilité de faire venir à Liège pour la première fois en Belgique Paolo Conte. C'était en 1987. On a eu un grand succès. En effet, il était presque inconnu du public liégeois, même de la télé, des médias. Et donc là, ça a été vraiment un vrai succès pour la pylône. Et un plaisir aussi de faire connaître un artiste un peu différent, on peut dire, opposé aux artistes qu'on connaissait et qu'on entendait ici en Belgique. Io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far rotolare, sì, perché la bellezza dei 20 anni è poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire, poi il lavoro e poi l'amore. La rencontre interculturelle est devenue vraiment l'axe central du projet, et avec un esprit toujours de simplicité, de convivialité et de chercher, de créer ces liens que je trouvais très compliqués à créer ici en Belgique, même si les gens à Liège sont assez ouverts. Donc, ce n'est pas toujours évident. Je trouvais et je trouve toujours qu'il y a trop de solitude. Che l'amore si fa in tre, che lavoro no, non ce n'è. L'avvenire è un buco nero in fondo al dramma. E ma che gioventù che è, ma che primavera è. E la tristezza è lì a due passi e ti accarezza. On est en train de relancer en effet tout cet aspect qui touche à la culture italienne et à travers une série d'actions, d'activités, des soirées donc, et qu'on peut concentrer dans des soupers littéraires pour faire découvrir à nouveau des auteurs et surtout pour pouvoir à nouveau parler cette belle langue qui est l'italien. Donc pour ce faire, disons, on a eu l'arrivée à Liège et à la Pilone de Domenico Simone qui anime ces ateliers et qui va peut-être en parler de manière plus approfondie que moi. En réalité, nous avons lancé depuis un an un projet d'un espace culturel italien à l'intérieur de la Culone qui s'appelle Libero Dante. Et dans le cadre de Libero Dante, il y a plusieurs activités. Et nous avons mis en place déjà les soupers littéraires qui s'appellent Leggere un gusto, le goût de lire. Et chaque mois, le dernier vendredi de chaque mois, il y a un rendez-vous avec la cuisine et la littérature italienne. Littérature classique et littérature contemporaine. Il y a beaucoup de choses à découvrir. En Italie, en fait, quand on parle des années de plomb, là, il y a deux types de terrorisme. Le terrorisme de gauche, représenté par les brigades rouges, et le terrorisme de droite. Le terrorisme noir visait plutôt l'assassinat, le massacre général, instaurer la peur. À chaque fois qu'il y a un massacre, c'est-à-dire une bombe, c'est toujours la droite. En effet, le noir, c'était le fascisme d'État. Oui, c'est ça. Il y a eu une contraposition, le Brigade Rouge, dont encore on ne sait pas très bien. Non, ça va être pas qu'ils étaient manipulés. En effet, c'est l'occasion pour relire ensemble avec les participants, avec les lecteurs, et beaucoup de chefs-d'œuvre connus ou
des nouveautés littéraires qui sont dans les marchés. Il y a un nouveau monde des auteurs italiens entre 30 et 45 ans. C'est une nouvelle génération qui écrit avec un nouveau style, avec une nouvelle poétique et une nouvelle esthétique qui est encore, je peux dire, peu connu ici en Belgique. Il y a quelques auteurs mais qui est traduit en français, mais en réalité c'est la minorité. La deuxième activité que nous avons mise en place, c'est l'atelier cinéma. Nous avons fait un atelier concentré sur les classiques du cinéma italien, pour à partir du néoréalisme jusqu'à nos jours. Nous lancerons un nouveau atelier sur le cinéma du réel italien et donc sur le cinéma contemporain italien méconnu. Nous avons des activités liées toujours à la littérature, comme les book crossing, l'échange livre de livres, une bibliothèque, un coin d'une bibliothèque sociale consacré entièrement à la littérature italienne, une nouvelle table de conversation en italien qui est en liaison entre les activités littéraires et les activités de l'atelier cinéma. Et perché no? Questa è una bella domanda. Tant'è che in questo episodio queste due prime barche che sono uscite e anche altre imbarcazioni, perché quando hanno capito che si trattava di avere almeno un centinaio di morti, sempre perché c'è qualcuno che ha paura, e diciamo grazie a questo intervento dei grandi problemi della Bossi-Fini, di questa legge sciagurata, è proprio questo, che soltanto la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, ovvero le forze di polizia preposte al controllo delle acque territoriali, possono eventualmente prestare soccorso. Ma non voglio addentrarmi molto in questo. Secondo me è interessante da verificare nei prossimi giorni e che spazio avrà questa notizia in Italia almeno e anche in Europa, perché appunto anzitutto c'è il problema di vedere questo genere di episodi. Ne era successo uno pochi giorni prima con 13 persone, e come se fosse un problema italiano invece riguarda evidentemente l'Europa. Et questo non toglie che l'Italia lo sta gestendo. Il n'est pas facile dans un pays étranger avoir une correcte connaissance à travers l'information standard dans notre pays, dans ce cas dans les pays transalpins de l'Italie. Mais nous avons la possibilité via ces rencontres de décodifier un petit peu ce qui passe dans la réalité italienne maintenant. Et donc tous nos rendez-vous sont dans la possibilité de connaître un petit peu mieux la réalité d'aujourd'hui. Il n'y a plus un réel lien avec l'Italie, en effet. Donc, il n'y a pas eu une politique culturelle, disons, que ce soit par les autorités italiennes, les consulats qui n'existent plus à Liège. Il y avait des cloisonnements politiques et régionaux
qui faisait que les gens sont toujours très divisés. Il n'y a pas une communauté unie qui trouve vraiment une forme d'expression, que ce soit politique. C'est fort cloisonné, en effet. Et donc, y a les nouvelles générations ont perdu, en effet, le contact réel. On les voit uniquement quand il y a du football, que l'Italie gagne. Alors, tu vois ces gens-là, comme une Italie qui est improvisée, que tu ne connais pas, que tu ne la vois pas. Et donc, c'est ça le travail peut-être qu'on voudrait bien faire, c'est un peu retrouver, redonner l'envie, en effet. Donc, parce qu'il y en a qui cherchent, comme toujours, leurs racines. Et donc, au lieu d'avoir un regard sur des émissions, parce que le seul lien, c'est la télé, et quand on voit ce qu'on passe en Italie, c'est vraiment pénible. Donc, on essaie d'offrir, en effet, un autre regard sur une Italie plus progressiste, plus engagée. Et quand on voit ce qui se passe pour le moment en Italie, c'est vrai qu'il y a une vraie révolte contre les institutions, contre les hommes politiques, un système qui est assez corrompu après 20 ans aussi de Berlusconi au pouvoir. C'est toutes les dérives du système social, économique et judiciaire. Il n'est pas une question idéologique. Faire connaître l'Italie de la côté de gauche, c'est une question de connaissance, d'offrir des chances de connaissance d'un pays à travers beaucoup d'occasions, à travers via une offre culturelle plus avec une articulation plus large et pas standardisée. Ce qu'on souhaiterait, c'est en effet une vraie réflexion sur ces différents aspects de la culture italienne, ou d'une nouvelle culture italienne qui n'arrive pas ici en Belgique, qui n'arrive peut-être pas bien à émerger non plus en Italie. I giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri cento. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me. Je pense que connaître la langue et maîtriser le plus possible une langue signifie connaître la culture, les coutumes d'un lieu, d'un peuple. Et il faut avoir des occasions, pas seulement des occasions d'études, pas seulement des occasions de conversation, mais des occasions de recherche, d'approfondissement pour connaître une langue et via la langue une culture. Venuto in novembre o col vento d'estate, venuto col sole o da spiagge gelate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato.